L'affaire de Migdalezelsk, Barinova Tatiana Andreevna, le 6 décembre 1986. On a vu l'intérieur de la centrale pour la première fois. Il y a 21 corps au total. Tout le monde est mort et bien identifier les victimes sera difficile à cause de l'état des cadavres. À Moscou, ils nous ont dit que c'était un meurtre massif, que tout le monde est devenu fou à cause de la nuit polaire. Ils se sont massacrés l'un ou l'autre. À cœur ouvert, j'ai jamais vu que l'homme a fait quelque chose comme ça à un autre. Ça n'y ressemble pas qu'il a passé une hystérie collective. La majorité des corps est isolée dans les chambres à coucher privées, dans les chameaux à fourniture d'hygiène, aux toilettes. Au endroit où il n'est pas de corps, cela ressemble sans défaut. À l'exception des corps et des traces de sang, on a trouvé seulement une chose. Une des victimes faisait un journal audio à casette. La majorité d'eau est trop abîmée pour les jouer, mais celle-ci est son entière. Je me sens pas bien. On économise la lumière et alors le soleil me manque. Les gens ici n'aident pas, tout le monde est inquiet, on ne se parle pas beaucoup. Chacun de nous s'occupe de ses affaires pour vaincre les paranoïas. Après quelques jours dans le noir, on commence à entendre chaque bruit derrière les coins. Je me sens comme je vais jeter sur quelqu'un. Vlad, c'est moi. T'es là? Lina, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Je peux entrer? Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste... J'ai besoin de parler à quelqu'un. T'es la seule personne qui écoute. Et qui ne se tait jamais. Ah, je comprends. Tu tiens le coup? Tu penses? Je sais pas, il me semble que tout en sort bien. Tes yeux ne tiquent pas comme ceux des autres. Le soleil s'est couché et tu fronces le sourcil à tout le monde autant qu'avant. Parce que tout le monde agit comme un idiot. Désolé. Tiens, je ne suis pas d'humeur pour tes insultes. Si tu es venu ici pour te disputer, tu pourrais aussi bien partir. Tu agis comme un... Quel est le problème avec vous tous? Nina, je ne veux vraiment pas faire ça. Tu as besoin de quelque chose de moi. Non, c'est juste... Alors pourquoi t'es encore là? L'amour de ciel, parce que j'ai peur! Parce que j'essayais d'avoir l'air intrépide pendant 3 semaines et toi, t'es ce que j'ai de plus proche d'un ami. Ça suffit? Oui, ça suffit. Oui, je suis désolé. C'est bon. Et toi? Comment vas-tu? Je pars d'un bord en plastique pour ne devenir fou. On est foutu, n'est-ce pas? Tu as des cas? Cela va de soi. Jouant. Le plaidier était dégoûtant, hein? Écœurant. Peut-être qu'il veut nous empoisonner. Je le laisserai. Elle est tard. Quand tu vas revenir dans ta chambre? Tiens. C'est gênant, mais... Si tu peux, je reste chez toi ce soir. J'ai peur d'aller dans le couloir. Bien sûr que tu peux. Merci. Je dois parler doucement, Nina Dor. Je suis content qu'elle est venue. Je pensais qu'elle me détestait, mais je suppose qu'on a tout besoin de... Vlad? C'est moi. T'es là? C'est... Nina? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Je peux entrer, hein? Mais...
Vladimir. Vladimir, écoute, je sais que j'étais méchante avec toi, mais au moins tu peux répondre. Nina dort par terre. Elle est allongée sur mon manteau, je l'ai regardée directement et derrière la porte. Vladimir, je t'en prie. J'ai peur. Je t'en prie, ouvre. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont dans les murs. Ils sont dans le conduit. Ils sont dans les gens. Si quelqu'un trouve ça, brûlez cet endroit. Faites-le exploser. Je ne sais pas, mais démolisez-le. Ou au moins, fouillez-le où il ne revenait pas. Ne croyez pas les voix. Ne croyez pas ce que vous n'avez pas vu en plein lumière. Ne croyez pas les gens dans le noir. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Barinova, c'est Vaganov. Deux heures après. Allez à la salle à manger. Je vais aller chez vous et allumer là proprement. Ne croyez pas des voix. Ne croyez pas des gens dans le noir. Barinova Tatiana Andreevna, le 6 décembre 1986, la fin de l'enregistrement. Thank you.